Thank you.
Sochaux est dans les starting blocks pour le lancement de cette nouvelle saison. Bienvenue pour cette première journée. Il y a eu bien sûr quelques changements pendant l'intersaison, comme toujours, vous me direz. Mais tout le monde est prêt pour la reprise du championnat. Ça nous avait manqué, comme à vous, j'imagine. Et vu l'ambiance qui règne dans les tribunes, je peux vous assurer que ça avait aussi beaucoup manqué aux supporters. Juste un qualificatif pour ce stade. Magnifique. Qui dit nouvelle saison dit nouveaux espoirs. Et ça, c'est pour les deux équipes. Oui, et on sent que les deux camps avaient hâte que le championnat reprenne. C'est bien beau les matchs amicaux, mais rien ne vaut la compétition, n'est-ce pas? C'est là qu'on voit si des réglages effectués pendant l'intersaison seront payants ou pas. Le match commence. Sochaux qui a donc un nouvel... L'arbitre a sifflé, faute. Voici Ouzou. La ligne. Voici Ouzou. Voyons. Très belle ouverture. Bien joué, ces passes en profondeur sont toujours dangereuses. Voici Ouzou. Sochaux qui cherche l'étincelle. Il est bien placé. Mandane. Voilà une bonne occasion de contre. Et la frappe. Mandane. Châteauroux qui essaie. La faute est sifflée. Et c'est intercepté. Long ballon dans le sens du jeu. Le débordement à droite. C'est bien fait ça. C'est reparti. Ils peuvent contrer. Le bon dribble. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. Il tire. Quel enchaînement avec cette frappe! Voilà un joueur capable d'expédier des boulets de canon sans aucune préparation. La défense doit intervenir beaucoup plus rapidement. C'est sorti, il y aura une touche.
alors qu'on attend encore l'ouverture du score. Ça peut partir en contre. L'arbitre signale une faute. Le bon ballon en retrait. Bien, la profondeur. Allez, jusqu'au bout. L'ouverture du score. Oh, il était bien placé ce ballon. Tout simplement imparable. Oh oui, super tir. Bien, ça fait 1-0. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir garder ce tempo. La tentative! Ah, c'était ambitieux, c'est sûr. Mais à cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le gardien. Un long ballon vers l'avant. Oh, il espérait ce ballon. Topé au Badei. L'ouverture lumineuse. Sochaux va sans doute chercher à égaliser avant la pause. Ce serait bien pour la suite. Et il cède sous la pression. La faute. Mandane. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. En retrait pour repartir proprement. Ce ballon bien dosé. On profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. Ça joue long vers l'avant. Oh, l'occasion, énorme occasion! Et le gardien est présent! Et voilà une façon de faire briller le gardien! Le corner est joué court. Bah, il peut choisir de centrer. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. C'est la mi-temps où les joueurs vont pouvoir reprendre leur souffle, et nous aussi d'ailleurs. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Même s'ils ont pris du retard, il ne faut surtout pas paniquer. Il faut rester solidaire. Le match est loin d'être terminé. On parle, mais le jeu a déjà repris. Sochaux n'a aucune raison de paniquer. Il reste quand même 45 minutes pour jouer, pour revenir dans cette rencontre. Et il perd l'équilibre. Voici Ouzou. Ce contre peut très bien aller au bout. Il relance côté droit. Le bon centre. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. C'est récupéré facilement. Il frappe au but. Ah, il a failli en profiter.
sera une touche. Le ballon dans la profondeur. La défense est battue. Il tente la frappe. Il y a mis du cœur, mais il était loin quand même. Et marqué à cette distance, ça restera. Mandane. Il s'impose physiquement dans ce duel. Il allonge. Il récupère le ballon. Obadehi. C'est une frappe. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Non, c'est bien vrai. Mandane. Il a fait l'appel et la course qu'il fallait, mais ça s'arrête là. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il y a peut-être un coup à jouer. Va se présenter devant le but. Mandane. Attention au centre. Il s'est attaqué, ça on savait, mais il sait aussi défendre. Les équipes ont de plus en plus tendance à défendre haut aujourd'hui. Ça devient un peu la norme. Beaucoup de tension dans cette zone. Ça joue à gauche. Il est passé. Le dégagement. Le dégagement du gardien. Bonne lecture de la trajectoire. Sochaux qui n'a qu'un petit but de retard, mais l'horloge tourne. Mandane. Il change le jeu. La défense bien présente. Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre? Ils sont toujours menés au score, mais avec un peu plus de réussite, je sens qu'ils peuvent encore revenir. Ça manque de finition, tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Merci, Ouzou. Il tente sa chance. Quel manque de conviction sur cette frappe. Allez, on voit bien qu'il met tout ce qu'il a dans cette frappe lointaine. Mais il a combien de chances pour que ça rentre à cette distance? C'est vraiment n'importe quoi. La frappe. À côté. La contre-attaque était pourtant parfaitement menée. Ils auraient mérité mieux, c'est dommage. Un peu de coaching, c'est bien. Un peu de maladresse peut-être dans cette perte de balle. Elle ne résiste pas au contact. Ils vont bien sûr essayer d'arracher l'égalisation pour ne pas commencer ce championnat avec une défaite. Il joue long. La longue passe, il peut en profiter. Et c'est directement récupéré. Ce sera une remise en jeu. Oh, il centre. Ça Oui, il peut frapper là. Oh, il marque. Et ça fait désormais 2 buts d'avance. Voilà ce qu'on appelle un coaching gagnant. Et voilà une bonne manière de fêter son entrée en jeu. C'est fabuleux. Ouais, ils ont certainement assuré la victoire avec ce but. Cette attaque n'a pas pu se développer. Verdon qui cherche la profondeur. 2 minutes de temps additionnel.
L'arbitre siffle une faute. Ça défend comme ça peut. Il est sur le côté. Le soutien derrière lui. Oh, l'aspiration! Ouais, c'était une bonne frappe, mais sans souci pour le gardien. C'est fini, le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Les ennuis aujourd'hui, ce n'est pas encore très grave, mais il est clair que les joueurs doivent parfaire leurs automatismes.